Il prend le sac, hein. Le sac à dos là. Ouais, Gualé, dis-nous un peu. Dakoba, on est où? Ouais, ici c'est un Zapata. Voilà, ici c'est un Zapata. Zapata à Gora. On a été depuis Babi, venir un peu, gérer un peu. Ici il y a le Dou, ici il y a le Kifi. Il y a Kifi sort depuis Bengue. Voilà, donc on est venu 15 ans ici, tout à l'heure, là c'est passé. Gagnoa, Côte d'Ivoire. Il est tout, hein, à Ame, non, il était à Boudou, Ame, toi, il était à Boudou. Donc, on arrive à Gagnoa. Voilà, on est venu visiter un peu chez mes grands-parents. On est arrivé de la maison. On va en profiter pour vous montrer un peu les environs. Comme ça, vous allez voir le contraste entre Abidjan, la capitale, et Gagnoa, le village, comme on dit. Donc, prenez place, ça va commencer. Vous parlez tous bien. Beau village. Très beau village. Ça, c'est le village Kegale. Voilà. C'est le village Kegale. Et non loin de Gagnoa. Le petit village de Gagnoa. Même tout bête nyo man. Aya lo kwa ka bête bugba. Voilà, wana bête bon. Pay men pay. Men a yo kwa pritiki no agbo bête bu. Ama nana yiri. Do aye agba agbo. Are abare nyo. Nyo ti fi so du a ti fi so akodra. Ta ni nyo a ti fi okora di okodra. Da pata pan. Don du aye la. Aya yo. Alors, c'était pas la première fois que je partais au village. Et là, je dirais que j'ai pu plus m'intégrer. Notamment du fait que je comprenne la langue. Et comme je dis toujours, la langue est le trait d'union entre la culture et les individus. Voilà, c'est le vrai village. La simplicité, la nature, les gens sont là. Bien fait. Donc si vous venez visiter le pays, c'est important de passer aussi dans ce genre de village-là, dans ce genre de circuit, pas seulement Abidjan, c'est Gagnoa, c'est tout ça. Ou bien voilà, ça fait... C'est important aussi de pouvoir revenir aux sources. Ici, c'est les bétés. Bon, on va voir s'il y a quelqu'un, on va essayer de parler bétés aussi. Hein? Si on s'est entraîné, c'est pour tout ça. Tu veux rester dedans, ma chérie. Arrêtez, pointi. Amen. Alléluia. Ça là. C'est ce que Dieu a pris pour bénir le monde. Tu vas jouer la comédie, tu vois. Hein? Dedans, Yuko, tu dis quoi? C'est pas moi. Mets pas sucre dedans. C'est là, quand c'est sucré là, c'est pas bon. C'est quand c'est comme ça là. On pisse. Là, tu vois là, tout devient blanc dedans. C'est ça qui est là. Là. C'est du pas du jeu, mais c'est ça. Ça poigne. Voilà ça, hein. C'est bon, hein? C'est bon ça. Ok, Bandi, qu'est-ce qu'on appelle Bandi? D'où ça vient? D'où ça provient? Qui a su que le Bandi existait dans ce monde-là? Précisément, dans un village qu'on appelle Kamchaka. Vous connaissez Kamchaka? Là-bas, on parle de Zegbedou, moi d'Amélie, miel postaïel.
Voilà. Mais c'est un chasseur qui a découvert ce bondi. Ce sont les éléphants qui mangeaient les fleurs de palmier. Et là, il était assoiffé. Et quand ils ont fini de manger, lui, il a vu un peu d'eau. Puis il a goûté. Et ça l'a saoulé. De là maintenant, il y a eu une découverte. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le bondi. Mais je demande pardon à nos frères qui sont de l'autre côté, de penser aussi à leurs parents qui sont là. Mais là, c'est le sang qui est là, c'est le sang qui parle. Dieu se sait comment on l'est. Mais je demande pardon à mes soeurs, à mes frères qui sont partis. On peut accuser ta famille qui de sorcellerie. Mais même si tu peux pas donner, tu peux donner une seule personne à voir. La personne n'a qu'à pouvoir manger. Mais aussi nos parents souffrent. C'est vrai, il n'y a pas de sorcellerie, pas même le président il est sorcier. Mais la famille aussi, là, souvent aussi, donner les 500 pour pouvoir manger. C'est très important. Très important dans la vie. Tu peux avoir tous les millions du monde. Mais dans ta famille, il y a une personne là, qui n'arrive pas à manger ton argent. Et puis quand la Sibi dit, je viens de telle famille, et puis on se moque de lui, ça fait mal aussi. Ça fait mal aussi. Parfois, donner à quelqu'un, va l'envoyer pour manger aussi. Et c'est ton nom aussi. C'est notre frère qui se débrouille. Il a tous les diplômes du monde. Mais il est devenu vendeur de bandits. Eh Dieu, amen. C'est la sorcellerie qui fait ça. C'est la sorcellerie qui fait ça, ma chérie. Il est vendeur de bandits. Ça fait comment? 100 francs, 100 francs. Même si vous ne me gagnez pas. Mais quand même, ça va. C'est pas facile, la vie du village, c'est pas facile. C'est pourquoi on n'a pas les moyens. Nos frères n'ont qu'à nous aider aussi. Faut vraiment passer côté sorcellerie seulement. On n'est pas les sorciers ici. Il n'y a pas les sorciers ici. Donc pardonnez, aidez-nous aussi. On a besoin de nous souvent. Et puis votre amour aussi, on a besoin de ça. Parce que souvent, on nous humilie. Quand tu dis, je viens de ta famille, bien on ne croit pas. Ça fait mal. Pardonnez. Ah, il est beau, Dieu. Ayoka, donc, ce qu'elle a dit la sœur, c'est ça, c'est important, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui au village. Voilà, moi je suis en France là-bas, je suis à Nantes, même si j'habite là-bas, c'est important de venir et de revenir aux sources. Ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Souvent on est là-bas et puis on oublie. On oublie aussi parce que les parents, ils nous disent non, là-bas il y a sorcier, mais nous on s'en fout de ça. C'est la famille, on est africain. Ceux qui sont en France là, ils sont je ne sais pas de quelle origine, ils n'oublient pas leurs origines. Donc nous quand on vient là, c'est important de se rapprocher de nos familles. Voilà, on est tous africains, on est tous ivoiriens, on est tous bêtés. Voilà, c'est pour ça que Eko Gomnazokuma, Etchie Betekbo, Ebonagbo, Yao, Nya, Za, Eko Beteku, Yamino Yoso, voilà, Ogba, Djeweli. Voilà, donc n'oubliez pas vos origines, n'oubliez pas d'où vous venez. C'est très important. Si on est là-bas, on a réussi à gagner. Nos parents nous ont accouchés là-bas. C'est pas pour se cacher là-bas et puis pour dire non, on s'en fout. Voilà, on peut faire des grandes choses avec un peu, en étant solidaire, c'est important. Donc ce qu'elle a dit là, peut-être c'est Dieu même qui m'a amené ici pour faire ça, il ne savait pas. Donc en tout cas, moi je ne vais pas t'oublier, on ne va pas t'oublier. Comme je dis toujours, la langue rapproche les individus. Après cette séquence émotion, on a pu quand même tourner notre série, une petite vidéo, une petite comédie, un peu à la go, donc on vous laisse apprécier. Ma chérie, y'a aussi. Il n'y a qu'un. Merci. Oh, amen. Il n'y a pas plus. Il ne m'appelle pas ou pas. Ah, je suis. N'attends pas, d'accord. France, c'est bon, maman. Bidia, bon, maman. France, c'est bon, c'est là. Et bon, France? Eh. Y'a un top pour le bas. Ange. Oh, j'ai dit qu'on a mon. Oh, il n'y a pas de problème. Mais il me connaît, hein. Est-ce que c'est mon village? Vous êtes comme ça. Le quoi? Vous voyez une belle famille, c'est lui. Je vois pas bien. Salut. Attendez, c'est mon frère, je vois pas. Hein? T'es avec ma petite fille. C'est mon mari. Qui t'a dit si mari? On y a dit où est mari?
T'as vu ta façon d'être là, j'ai l'impression que tu es marié. Tu vois, moi, je ne sais pas. Je suis avec. Tu parles. Faut me regarder si c'est lui, je ne vois pas clair. France est défilable toujours, toujours. Il fait ici là, c'est qui gagne, fait qui gagne France comme rien. Dieu non marié. Non. Oh, Dieu, ce que c'est. Ça me fait 20 ans, je suis divorcé. Voilà, 20 ans, je suis divorcé. D'accord, c'est Nadia, mais. Hein? Voilà. Non. Mon beau. Hein? Elle est en Nengroka. Nyangwana? Elle est en Nengroka. Ça fait 20 ans. Il a dit quoi? Elle est en Nengroka, bah. Non, c'est que tu as mal compris. Hein? Non. Mais. Il lui demande la nouvelle, Dieu elle a quitté en France. Ah, okay. Non, c'est la nouvelle chat, on lui demande. Sinon, il n'y a rien. Non, on ne peut pas. On est là, on est là. Il a fait combien d'enfants? Tu sais, non, c'est pas ce qu'il a dit. Oh, c'est là, vous là, vous le mettez toujours quand vous voyez les gens. Ça, comme ça. Vous le mettez toujours quand vous voyez les gens. Ma belle, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, yo. Pourquoi il n'y a pas de vérité dans le monde? Tu dis quoi? Maman, écoutez. Écoutez, elle comprend français. Elle comprend français. On condamne, on condamne. Ah, France, c'est bon, faut pas vous aller la diriger. Ouais, non, il faut aller quitter en France. Elle vient d'arriver. Il y a ceux qui doivent gérer ça, de lui demander les nouvelles. Vous venez garder ma vie. C'est ma femme qui est là. Est-ce que moi, t'as dit que je ne suis pas mariée? Ma belle, toi, hey, tu as vraiment. J'ai dit, oh, tu viens de tu vas me divorcer. Moi, il a dit ça de ma bouche. Il dit, il va me divorcer. Ça, c'est qui, t'as dit? Ah, la jolie, elle a joli pied. Moi, tu as pied aussi. Mais toi, je ne tiens pas la paix, c'est ton côté parable là, il n'aime pas. C'est ça qui a fait pire que me dehors là. Maga, je suis arrêté. C'est ton côté parable, tu as fait pire. Tu es jolie, tu es vieille comme femme, non? Il a dit que je suis arrêté, Ouraga. Voici les pieds. Tu as pieds. Ça, on lit les pieds de bêté. Si tu es parti, tu n'as pas allé, mais la paix, c'est pas. C'est pas moi, t'as dit que je n'ai pas te marier. Donc, si tu es parti, il ne faut plus me déranger. Faut plus me déranger. Encore là, ton mari, là, il y a le jeter là-bas. On ne peut pas le jeter. À cause de vous, il a gâté ma vie. Vous m'avez fait mal au chat et puis elle souffre à cause de vous. Vous voulez me casse-pied? Non. Ma belle, tu n'es plus ma belle à Paris aujourd'hui. C'est toi qui as gâté tout cela. Elle est ma belle. C'est toi qui as gâté. Faut prendre ta bras, tu vas aller chez toi. Oui. Je ne veux plus de vous. Tu ne veux pas de nous. C'est fini comme ça. Ma belle, c'est allez-y. Allons. Parlez là-bas. Allons. Oh. Allons. Retour dans le centre de Gagnoa, devant un bon petit plat, histoire de discuter un peu avec mon ami Kouale. Bon, Kouale, ouais. Comment? Salut frère. Comment tu es? Les gens, c'est comment ici? Tiens. Le village, c'est comment? En tout cas, le village est cool. Mm-hmm. Tout le monde est là. Et moi, je viens de bailler aussi. Mm-hmm. C'est quoi la gamme un peu ici? Donc, ici la dame est cool, mmh. En tout cas au village, ici tout le monde en joie. Quand quelqu'un vient comme cela, mmh. Un frère, bon, je sais pas, que ce soit en France, mmh. Et partout un peu, tu vois un peu, mmh. Et quand il vient comme ça, quand bon, parce que nous aujourd'hui on est là, c'est la joie en fait. Mmh. Il veut dire que bon, c'est la paix, on se rattrape et puis on mange, on sourit, bon, en tout cas ici là. Tu vois tout à l'heure là, il y a les enfants, ils te regardent là. Ils sont en tas derrière toi, wakam boko, wakam yiri manaburwa. Ngeri non? Donc à un moment là, wakam c'est yiri ni, c'est-à-dire, wano le prêt là. Donc on a le bois en même temps. Wakam boko, oh amnouri, ngeri te bon wak apprécie moi, oh, il n'y a que yiri hein. Nanyu kona, ngeri banyo prêt là, oh lolo, amnouk mena yumi, attends, gagno a yu prêt là. Bon mais gagno a yu prêt, bête yu prêt. Non, c'est vraiment la tienne. Guéri a été bonheur. C'est quand il y a un jopo. Djong djong, c'est quand il y a un jopo. Il y a un jopo. Voilà. Dame là-bas, mal là-bas. Et il y a un ami. Et il y a un jopo. 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 Tu es sûr, oui. Il y a un jopo. Ah oui. Il y a un jopo. Manu, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon. Ah! Il a volé le compte, c'est-à-dire il a volé le compte. On va mettre le compte. Voilà, donc c'est normal. Donc, il m'a mis le compte. C'est que je vais mettre le compte. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Il m'a mis le compte, c'est que je vais mettre le compte. Parce qu'en temps normal, mettre le compte dans les belles gars à Bouba. Et j'ai dit non?
Tu es d'accord? Yeah, c'est en Europe, mais tu parles vite. Tu peux même dire que non, que tu parles pas. Ouais, parce que tu viens avec les blancs. Mais tu parles vite, tu es fier. Mal là-bas même. Ah, donc, mal là-bas, pas rien. Alors, donc, il y a le doux. Il y a le doux, quoi. Tu es chez toi, il y a le doux, quoi. Mais il y a le doux, man. Fabrice Niadere, le champion du monde. Oh, il en est. Le maire. Le maire l'a reçu. Mal là-bas, tout. Tout clé-clé. J'étais au stade. Moi, au stade. Moi, Fabrice, ils ont vu le champion. Ils étaient très contents. Tu envoies les bengis seulement. Comment? Ils vont dire que toi, tu envoies les bengis. Moi, j'envoie les bengis seulement. Et toi, voilà. Et encore. Après, Fabrice, il dirait, voilà, et encore. Qui fait? Il y a l'autre qui arrive encore. Il y a un encore qui arrive. Ils sont pleins, ils sont en route. C'est la famille. C'est la famille. Cagnoua. Voilà, ça on appelle ça la famille Kanyoa. Eux tous ils vivent à Bengue, d'autres sont à Bengue, d'autres sont même dans les pays, partout dans le monde. Et puis on est dedans. Donc quand on se rattrape, on est tous en joie, on est tous contents. Moi là-bas, il y a un peigné. Amen. Ça fait deux fois. Mon père a transformé Eisen. Et puis on a transformé Abidjan. Je crois. Oh, tu as la go pas mignon. Mal à la bague. Retour à Abidjan. Aujourd'hui, je passe la journée avec mon ami Papitou, qui va me montrer un peu son travail, comment il bosse, la réalité du terrain, la vie quotidienne d'un Abidjanais. C'est lui, Papitou, mon ami, Laurence. Voici une journée classique pour lui, dans le train-train d'Abidjan, les bouchons, le travail, le gris-gris, comme on dit. Pourquoi? C'est tranquille, je suis là, ici à Bali. Mon frère Saint est là, ici est Bara. Voilà, vous êtes petit ami. Quel peuple a moqué, ni du moins rien. Et bien, il y a un homme qui a l'air. Donc, à mon gré, mieux moi. C'est pas facile, mais il faut le faire. Tout ça là, tu vois, c'est des trucs qui sont là. C'est mon travail qui est là. Voilà, mon baraque est là. Mais tu quoi? Il n'y a pas de stress quoi. Voilà. Imaginez-vous, transporter des glaçons dans un camion non réfrigéré sous 40 degrés au soleil de Abidjan jusqu'à Bassam. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Voici le nom de ma société. Voilà, je suis dans un restaurant, boîte de nuit, supermarché. Partout au fait, on m'appelle, je suis là-bas, même mariage, dort, tout. Il fait tout au fait. Il fait des blocs, il fait des gaspillés. La vie d'Abidjan, c'est débrouille-toi pour réussir. La personne ne te viendra en aide. Ensemble.
on en profite pour acheter des bijoux, des décorations, le travail des artisans locaux. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum. Un peu plus tard dans la semaine, j'avais rendez-vous avec un frère que j'ai rencontré sur les réseaux. Un frère BT, voilà, qui tenait à me faire découvrir son environnement. Il est coach sportif. Le frère Guy Aimé. Donc voilà, j'étais dans la salle de sport dans laquelle il travaille, Equinox Fitness, une des plus grandes salles d'Abidjan. Voilà la piscine. Piscine semi-olympique. Ok. Petit bassin, il prend 1m30. Grand bassin, 1,85. Donc, terrain de basket. Assez normal. Voilà. Capitaine de l'équipe championne de Côte d'Ivoire 2022. C'est 2021, pardon. À gauche. Coach Stéphane de la Soa, voilà, avec le, son disciple. Ouais. Je startais comme contractuel. Tu vois, t'es où? Voilà, le Woody que là. Là, on fait du vélo, du RPM, du spinning. Mais ça nous sert aussi de temps en temps de faire des cours de karaté et de kung fu. Ok, donc vous enlevez tout ça? Le vélo, ouais. Ok. Ici, ça va faire un ex-muscu. Ok. Ok. Là où on a tout ce qui est appareil, booster, hammer, vélo, électrique, vélo okay. Assis et tout. Super. Donc là, ici, c'est la salle de judo. Ok. Qui nous sert aussi de salle de gymnastique. Oh, ok. Pour ceux qui se rappellent du clash entre Chess et le Sultan, en fait, c'est ici qu'ils s'entraînaient pour le octogone qu'ils avaient prédit. Ah. Ouais, c'est ici qu'ils s'entraînaient. Lui, c'est le Dangoro. C'est lui, c'est lui là. Lui là. C'est lui, c'est ça qu'on appelle le vieux de la vieille. C'est-à-dire le Dangoro. Allez. Du Muay Thai en Côte d'Ivoire, ce monsieur-là, c'est un monument vivant. Ah bon? Il s'appelle. Ouais, donc, c'est quoi le nom? Coach Wadio. Coach Wadio, enchanté. Il est connu de tous. Hein. Okay. Et moi, nous, c'est pas ça les tortues. Quand on veut travailler en isolation des clients, on veut faire des bons hits et tout, là, c'est ici qu'on veut. C'est-à-dire sans équipement, soit au poids du corps, soit avec des pantalons et tout. C'est ici là, c'est ici que ça souffre. Chaleur, isolé, voilà. Tu vois. Voilà. Ça, c'est le beau de tout ça. Une manière, une route. Bonjour. Ah bon, tu sais. Il y a votre C. Chez nous, on est. Voilà les gars là. Là, c'est le pro de la tondeuse. Là, c'est Sylvestre. Okay. Et là, le BT, M. Barou. Ah, Ayoka. Ayo, mon frère. Ayo. Voilà, donc c'est ici là, qu'on veut se tailler la tête. Les cheveux, là, c'est ici. C'est tourner le box. Ok. Bonjour, la famille. Moi, lui, là. Venez, qui danse. Ce vieux BT, là, c'est lui qui coiffe le Drouba. Normalement, il a plus. Donc ici on est toujours avec Inox. Ouais, on est toujours avec Inox les gars. Alors, vous avez bien invité les gars. Surprends et... Merci. On a les histoires de Venise et tout là. Machin là. C'est ici. Manicure, pédicure. Venez nous présenter, ça c'est votre truc non? Ah, je vous présente. Bon, ici c'est salon de coiffure dame. On fait la pédicure, manicure, j'ai une venue permanente. Voilà, peau, gel, ongles et tout ça. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment beau hein. Et ici, on fait aussi le soin de visage plus le massage, massage à la pierre chaude. D'accord. Voilà. Matériel de pointe, les gars. Franchement. Voilà. Ah, les gars.
On va peut-être qu'il y a un massage tout matin, on va aller là-bas. Il a dit que moi, c'est comme deux oeufs, deux oeufs ici, c'est pour ce que tu veux dire. Amam, sauna, massage, tout. Ici aussi, c'est pareil, on peut aussi le massage, amincissant, massage relaxant, la pierre chaude. Voilà. C'est un peu ça. Ok. Puis on a aussi ici, amam. Ici, c'est le lit de gommage. D'accord. Voilà. On fait le gommage du corps, plus le amam. Ok. Aussi l'amam qui est là. Ok. C'est pas décoré, mais c'est... Non, bah c'est... Ok. Ça vit notre amam. Oui, la dernière vie, c'est la même chose. D'accord. Attention. Il y a quelqu'un? Ah, ok. Ah, là, ici, on est voilà. On prend ça, c'est notre cabine d'eau pour les coups. Je vais mettre un peu de lumière. Non, c'est un peu ça. De lumière, il y a un peu plus de lumière ici ou pas? Comme il n'y avait pas prévu. Ok, non, c'est bon. Ah. Aussi le massage ici, massage relaxant, à la pierre chaude, ok. Et amincissant aussi. Massage amincissant, ok. C'est top. Donc le tour est fait. Allez, moi, c'est le frère qui s'est dit aimé. Moi, je sport, il m'explique, n'est-ce pas? Equinox est la plus grande salle de la région. Elle a ouvert depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et donc, moi, je suis coach sportif ici en musculation niveau 1 et dans trois compétences mixtes. Body Balance, Olympic Score et RPM. La salle est en train de 6h à 22h. On se met le week-end de 8h à 19h. Les gars, venez à Equinox. Là, mon collègue Denis, il a vu, il a touché. Donc, venez à Equinox. Bon standard. Bonne machine, bonne ambiance, bon service et surtout bonne performance. Un petit mot pour la fin. Écoutez, il aurait pu vous le dire, moi, bêté, moi, c'est chaud. Yahoo, plaisir. Finira sur cette belle note. C'est la Côte d'Ivoire. C'est ma Côte d'Ivoire. Trois modes de vie différents, mais qui se rejoignent. C'est important de garder les pieds sur terre et de connaître les réalités que nos frères connaissent, ceux qui sont restés. Alors soyons unis et avançons tous ensemble. Votre frère, Kifi. Give thanks and praises. Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. On est à Abidjan, à Marco Maison 4, pour la terrasse. Un bon serveur, un bon service, la qualité. Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim, Jerusalem, Ibrahim, Jerusalem, Jerusalem.